commencé à planter l'argousier il y a à peu près une dizaine d'années. Puis une des raisons pourquoi j'ai choisi l'argousier, dans le fond, c'est que c'est un fruit, c'est parmi les plus nutritifs et vitaminés du règne végétal. Le kombucha, ça faisait quand même un petit bout de temps que j'avais goûté à ça dans l'Ouest canadien. Puis c'est une boisson qui est considérée comme un super aliment. Puis l'argousier, bien, en même temps, c'est un peu un fruit qui est un peu dans cet esprit-là. Fait que j'ai décidé de joindre la culture de kombucha avec la baie d'argousier puis surtout la feuille d'argousier. Et tous nos petits fruits viennent principalement de l'île d'Orléans. Il y a les petits bleuets qui viennent de Saint-Gervais, de Bellechasse, de l'autre côté. Fait que, tu sais, pour nous autres, c'est super important de travailler avec des saveurs que les gens connaissaient, mais aussi des petits fruits qui étaient cueillis pas loin, tu sais. Qu'on fait notre jus nous-mêmes avant de faire notre assemblage. Fait qu'on fait tout ça ici, à la fabrique. Puis ça part d'ici après ça, puis ça s'en va chez nos clients.